Salut à tous, donc on en était à la fin de la statue de Kibombo. Et là, bon, à la précédente vidéo, normalement, vous devez vous dire, enfin même celle d'avant, hein. Bah, là, ça devient un peu la religion vaudou, c'est des conneries, machin, enfin, bon, je sais pas si c'est vaudou ou pas, mais... Donc là, on se dit, bah, la religion, c'était des conneries, c'était juste une machine. Et puis là, bizarrement, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un dieu, le truc. Ça, c'est bien foutu. Voilà, du coup, comme il s'est enfui, c'est qu'il est un peu trop con, il est pas assez sage pour rester 5 minutes. Donc, finalement, voilà. Voilà. Et on a enfin l'orbe qui permet de contrôler le bateau. Ça sert à rien d'y aller maintenant en fait, hein, parce qu'on peut pas. Voilà, il a tout raconté. Là, ça peut rappeler un peu le début de 1 où on voit qu'il raconte le truc. Genre, c'est. C'est comme ça qu'il se dévoue aux autres, mais putain. Voilà. Ouais, vous voyez, il l'a dit. Nous ne sommes qu'au début de notre voyage, c'est clair. Voilà. Et voilà, donc la cérémonie est finie, on peut enfin passer librement. Et le Kibombo en fait. Kibombo. Gabomba. Putain, je. Ouais, Gabomba, voilà. J'arriverai jamais à me rappeler de son nom, c'est pas vrai. Vous allez voir si on essaie de rentrer dedans. Bon, en fait. Enfin, en fait, être bloqué. Donc, je vous montrerai ça plus tard, je reviendrai beaucoup plus tard. Quand le moment sera venu. Parce que, en fait, vous voyez l'herbe par terre, on peut la souffler, mais pour l'instant, on peut pas encore. Donc voilà. Ça sera pour plus tard. Donc, on va. Ben voilà, hein, vu que on a fini ça, on va quitter le village. Donc logiquement, vu qu'on a l'orbe, on va aller au bateau. Mais d'abord,
les armes on s'en fout, parce que de toute façon, il n'y a plus relique. Côte de maille. Armure psy, ah, je sais pas, j'hésite. Mystique, corps de soeur, on peut faire. Gantelet. Non, merde. Attends, là, j'ai 19. Ouais, en fait, y'a pas grand chose, donc attendez. Y'a pas des conneries à vendre, quoi. Ça, on va en sortir, surtout pas. Ça, en fait, les trucs à forger, c'est plus tard dans le jeu. C'est un certain village où on pourra forger des trucs. Bah, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'il y a certaines armes. Il y a certaines armes ultra puissantes qu'on peut forger. Voilà, donc on quitte ce village. Donc, entre les trucs des loups-garous, ça, c'est assez sympa, hein, franchement. C'est assez sympa, mais à côté de ce qui nous attend, c'est nul. Non, c'est génial là, mais. Là, c'est encore plus génial après. Si vous avez pu tenir jusqu'ici, parce que quand même, j'ai fait plus de 15 vidéos pour arriver là. J'avoue que voilà. Que faut tenir le coup. Hein. Parce qu'à chaque fois que je vous dis ça va être intéressant et puis. Puis vu comment je joue. Voilà. Alors par contre ici maintenant ben, on peut passer librement. Vu qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus les gardes maintenant, hein, vu que la cérémonie est finie. Et parce que les gardes venaient de Bombo bien sûr. Voilà, j'ai mis raccourci, Frima est déplacé. Frima. Voilà. Hyper, c'est le plus lent du groupe apparemment. Je m'en rappelais pas. Mais il a assez résistant quand même. Toc, toc. Alors là, il suffit de donner un gym de feu à machin. Pour faire beau devant. Voilà. On va leur donner. Je sais pas si on nous accompagne directement, alors dans le doute. Attendez. Merde. Putain, déjà? Putain, mais ils sont minables. Les gros singes là, je crois que c'est les mêmes que les premiers boss qu'on a. Ceux qu'on a eu au temple. Là où on a eu relire. Cette classe. Voilà, bon. Ouais, il nous attaque. Je sais pas si tous les djinns peuvent s'enfuir, je crois pas. Hein. Mais ça, c'est trop casse-couille quand ils s'enfuient. On s'emmerde. Ouais. On s'emmerde à l'atteindre et puis ils se barrent, quoi. Genre sa gueule. Je sais pas s'ils l'ont inventé ou s'il existe en vrai, enfin dans une mythologie ou. Enfin moi perso je connais pas. Non je suis con. Vu qu'on lui a baissé la défense, voilà. Et un d'une Jupiter de plus. Ah, parfait.
Et là on peut partir directement par là, ça fait un petit raccourci hein, quand même. Et comme ça on sait comment Pierre ça fait pour passer, c'est logique vu qu'il y a de l'eau, on sait comment il est passé. Beaucoup plus facilement que nous d'ailleurs. Là on peut pas faire fuir parce que si on fait fuir on se retrouve à l'entrée mais de l'autre côté quoi. Parce que fuir ça fait fuir par là où on est rentré. Et non pas de l'autre côté. Voilà. Tac. Tac. Là on va retourner près du bateau en passant d'abord par la falaise et à la falaise on va récupérer le champignon vert. Il est d'abord passé par le village, j'avais oublié. Bah tiens, on va en profiter pour faire pour prendre un petit peu de repos là, bien mérité. On se repose en plein jour mais c'est pas grave, on s'en fout. Merde. Voilà. Bon. Voilà aux falaises. On entend le bruit du jet d'eau. Alors par contre, où est-ce qu'il faut faire frimage? Je ne m'en rappelle plus. Il va falloir que je retrouve l'endroit. Ça va être chiant. Je vous l'accorde. Ouais, c'est là. Décidément, j'ai de la chance en ce moment. Je tombe sur les bons endroits directement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire encore? Ah bah oui. Hop. J'ai pas pris le coffre, je sais pas ce qu'il y a dedans, je vous l'avoue. Pas la moindre idée. Mais voilà, le fondus, machin. Bon, le coffre, on s'en tape, on va dire. Je pense pas qu'ils soient importants. Non, je peux même pas rentrer par là, là. Non, je crois pas être déjà passé par là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, marrant. C'est juste du décor, à mon avis. Ça sert à rien. Il devait avoir un ermite ici avant. Puis il va griller ses saucisses. Bon, on va raconter de la merde. Ça, c'est juste un raccourci, je crois. Voilà. Et on retourne à Madra. Alors, où est-ce que c'est déjà? Alors par où on passe, je ne me rappelle plus. Je vais encore me louper. Par en bas. Ouais. T'es surpris par eux. Je déconne. En vrai, je les esquive parce que même si on les bat, ça sert à rien. Ils donnent presque plus d'XP. Donc, Madra. Ouais. On a bientôt le bateau là, vous imaginez?
On a bientôt le bateau, mais on n'est pas prêt d'être à Lemuria, par contre. Parce qu'on passe pas comme ça à Lemuria. Vu le gardien, enfin, je vous en dirai un peu plus. Voilà, maintenant on va aller chez les vieux. Alors, je sais plus où ils habitent. Voilà. Je crois que c'est là. Ouais. Ah, mais à tous les coups. Ça en donne le truc rouge, ça fait autre chose. C'est pour ça. Enfin bon. Je sais pas si sa veste en donne le rouge. J'aimerais bien en avoir un jean de compagnie. Comme c'est énorme un jean, hein. C'est la taille d'un humain. Et voilà, mine. Alors, aucune idée de ce que ça fait si on leur donne le champignon rouge. Je crois que j'ai déjà dû essayer une de mes parties vu que j'avais fait un New Game Plus. À tous les coups, il crève. Non, je crois pas. Voilà, et maintenant on a Aura. Aura, Aura Cure. Alors ça c'est énorme. C'est comme Souhait dans le 1 quoi. Ça guérit tout le monde. Mais il y a aussi Souhait. Hein. C'est-à-dire qu'on aura deux healers quoi. Voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter là. Donc allez. Ah oui. Voilà, je vous laisse devant ça. Allez, salut.